Nou, ik denk vandaag zullen jullie wel begrijpen dat ik er zelfs geen woord over kan lossen, dus we zullen zien. Hoe is het met de zenuwen, coach? Valt dat mee? Is dat toch wel op te boren? Nee, het is vergelijkbaar dan de ervaring die je kan hebben als speler om naar een finale toe te leven. Ik denk dat dezelfde regels ook gelden, dus ik heb best wel ervaring om alleszins met die voorbereidende fase om te gaan. De match zelf zullen we zien. Non, jamais. Non. Justement, la plus grosse leçon qu'on apprend assez rapidement en tant que joueur, c'est que dans ce genre de match, il faut justement rien changer. On ne sait pas contrôler toujours l'extérieur et j'explique toujours la différence entre... Aujourd'hui, c'est un match de Coupe de Belgique. Demain, ça peut être une demi-finale de Coupe du Monde. Ça peut être un match contre la relégation. Pour chacun sa carrière, mais je veux dire... je pense que la prestation d'un joueur dépend énormément de sa prestation et puis de se faire confiance. Il y a des matchs par contre où peut-être l'émotionnel peut rajouter ou peut avoir comme valeur que c'est un risque à prendre. C'est-à-dire si on joue un match contre une équipe qui est 10 fois plus forte que la sienne, il faut trouver peut-être quelque chose de spécial. Mais quand les équipes se valent, c'est l'équipe qui reproduira le mieux ses tâches, qui reste le plus calme, qui sera décisive dans les moments, qui aura du succès. Quand on dispute des finales comme ça, ça sert aussi pour les finales suivantes. Mm-hmm. Il y en a qui vont arriver ici dans un contexte différent. Quels sont les mots du coach alors pour essayer de leur faire comprendre ça, mais je pense que ça serait un petit peu difficile pour moi de... si je commençais le travail de coaching là-dessus, si je commençais le travail de coaching pour une finale le jour avant la finale, la semaine de la finale, ce serait trop tard. Je pense que ça fait depuis le début de saison qu'on parle de ces moments, des moments décisifs en fin de saison. L'année passée, on a terminé aussi un peu de la même manière qu'on a terminé cette saison, c'est-à-dire que dans les moments décisifs, on était présent. On a travaillé vers des moments comme ceux qu'on aura demain. Et bon, le foot, le résultat est moins prévisible que la physionomie d'un match, je pense. Et pour nous, pour avoir la physionomie de match qu'on veut, ce qui nous rapprochera toujours d'un résultat, il faut avoir une préparation impeccable. Et là-dedans, je pense que depuis le début de saison, je mets cet objectif, que ce soit finale ou play-off et tout ce qui viendra après. Donc maintenant, on ne va pas changer quand on s'est préparé aussi longuement pour ça. Deux rencontres très équilibrées, où seul dans une des rencontres, le résultat nous a séparés. Je pense que c'était clair pour tout le monde qu'à Gand, on a fait un très bon match, mais voilà, ce match est dans le passé. Nous, on a envie d'avoir le résultat de demain, donc on connaît l'adversaire nous connaît. Moi, en tant que coach, j'espère juste que les joueurs montent sur le terrain sans deuxième pensée et plein de confiance et que la meilleure version de chacun soit présente demain. Et puis on sera là pour se relever les uns les autres dans les moments difficiles et on sera là pour on aura peut-être un héros aussi dans l'équipe, on verra qui c'est, mais on se prépare pour ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à la directe habituelle qui va jouer au football offensif ou tu te dis que comme c'est Gand qui joue aussi très offensivement, vous allez peut-être jouer plus organisé que d'habitude, peut-être un peu plus en bloc parce que vous êtes plus capable que Gand? Non, je pense que Gand, si on regarde leur qualification contre Bruges pour venir justement jouer la finale, le match aller, ils étaient très offensifs, le match retour, ils étaient surtout en bloc et sur le compte. Donc je pense que on a aussi un petit peu une aptitude similaire. Je pense qu'il y a des moments où on peut gérer, il y a des moments où on peut... On peut jouer absolument sur l'offensive. Mais le plus important pour moi, ce sera de voir les joueurs qui lisent un peu le tempo du match
et de toujours avoir l'objectif de rester dangereux pendant tout un match. Et c'est surtout ça qui nous avait réussi dans la rencontre précédente. Et j'espère qu'au moins on reverra ça, parce qu'à ce niveau-là, si on est dangereux, on marque des buts, toujours. Et donc, plus que dire haut ou bas, être dangereux pendant tout un match, c'est important pour nous. Non. Est-ce qu'on pourrait passer ça sur une échelle par rapport au trophée que tu as remporté ? Posez-moi la question après le match. Mais les rêves et les scénarios, je pense que tout ça, c'est au début d'une saison. Au début d'une saison, on rêve de choses, on rêve d'atteindre des objectifs. Et je pense qu'il y a toujours une distinction à faire. Il y a pour les supporters, il y a le fait qu'eux, ils doivent avoir l'espoir, chaque fois dans une saison, l'espoir que quelque chose de positif peut encore arriver. Et pour nous, il faut plus que l'espoir, il faut y croire. Et on est dans une phase où maintenant, rêver, ça ne sert plus à rien. Maintenant, il faut juste y croire jusqu'au dernier moment qu'on peut soulever cette coupe et approcher le match de cette manière-là. Et après, posez-moi la même question demain. Non. Mais bon. Ce serait beau, comme toi, t'as gagné quand même en Angleterre pour le trophée. Je peux gagner même 5 fois la Coupe de Belgique, ça sera la même chose pour moi. C'est gagner, c'est. Je pense qu'il faut respecter la victoire, parce que dans une carrière, c'est tellement difficile. Une année passe, l'autre passe, et je pense que si les joueurs ont la chance demain de se récompenser, parce que c'est eux qui ont fait le travail. Ce serait bien pour moi, mais c'est juste c'est pouvoir vivre un moment comme ça et le refaire après qui compte dans le football. Donc, mais on verra. J'ai pas encore. Dans ma tête, mentalement, je suis 100% coach, mais ça fait pas très longtemps quand même que j'étais encore sur le podium en tant que joueur, donc j'ai pas encore complètement cette séparation de. Je suis avec le groupe, toujours. Ja, kijk, een grote reden waarom dat Anderlecht maar 9 keer de beker heeft gewonnen in zijn geschiedenis. Succesvolle geschiedenis, omdat het vaak niet een prioriteit is geweest voor de club. Zo simpel is het. 3 jaar waar ik bij Anderlecht in de eerste ploeg heb gevoetbald, is het nooit echt een prioriteit geweest. Misschien in de halve finales dat je dan misschien denkt om de belangrijke spelers toch wel op te stellen, maar het was gewoon nooit een prioriteit. Nu, over het algemeen denk ik dat elke trofee een prioriteit moet zijn, los van de status van een club. Maar nu is het gewoon anders. Hè. Alles wat we kunnen pakken, moeten we pakken. En niet alleen dat, maar ik ben er wel blij mee dat we in de moeilijke periode ook opnieuw geleerd hebben hoe waardevol het is om succesvol te zijn. Hoe je er naartoe moet leven. Elke grote wedstrijd zou op deze manier beleefd moeten worden. En dat was in mijn tijd zeker niet het geval. Passons aux questions pour notre capitaine. Dat zijn de vragen voor Hendrik van Kromlingen. Romain. Hendrik, tu es venu ici pour gagner le trophée. C'est ta première opportunité de le faire. Tu dis ça comment? Ben, assez rationnel et réaliste. Comme le coach vient de dire, si on s'approche tellement d'un possible prix, il faut surtout contrôler ce qu'on sait contrôler. Et c'est tout d'abord la préparation, et de deux, il faut contrôler ses émotions, parce qu'emporter un prix, on ne peut que le réaliser en faisant ce qu'on fait de mieux, et c'est de jouer notre jeu. Et comme le coach vient d'évoquer, d'y croire de la première minute jusqu'à la 95e minute. À choisir, tu préfères une victoire où tu n'as rien à faire et tu passes une soirée cool, ou alors tu préfères être l'homme du match et avoir plein de boulot et vivre une soirée stressante? Peu importe. Tant qu'il y a une victoire, je serai un joueur et un capitaine très, très heureux. Comment la préparation, on disait qu'il faut changer la manière d'aborder un match, mais est-ce que pour un joueur, c'est facile?
Mais je ne pense pas qu'il faut faire complètement abstraction du contexte, mais il faut, et je vais le répéter de nouveau, il faut surtout se concentrer sur ce qu'on fait d'habitude, et c'est sa préparation, et qui a un peu plus de pression pour ce match-ci. C'est quelque chose, je pense, plutôt de positif, parce que je pense que cette pression peut être un surplus pour devenir encore une meilleure version de soi-même. Parce qu'il y a une grosse différence entre pression et stress. Et le stress, ça va te limiter dans tes pensées et de faire des choses. Mais une pression, ça peut être une pression positive. Ook daar val ik weer in herhaling. Ik denk dat dat een hele andere... Een heel andere manier van druk is. Ik heb dat altijd al gezegd en ik ga daar die lijnen in blijven behouden. Dat tegen degradatie spelen, dat is een negatieve druk. En spelen voor prijzen, dat is een positieve druk. En ja, in de strijd tegen degradatie heb ik al heel veel finales gespeeld. En denk ik dat ik de meest ervaren speler van onze kern ben. Écoutez, les déceptions, ça fait partie d'une saison. On connaît des hauts, on connaît des bas. Et je pense que c'est surtout ça, la force d'un athlète de haut niveau et d'un groupe, de rester soudé, de rester ensemble et de vaincre ces déceptions et de vite tourner ce bouton et de regarder vers l'avant et de surtout tirer des leçons des grosses déceptions. Parce que je pense souvent que c'est les défaites, les moments d'où on apprend le plus. Ben, les ballons sont toujours faits pour les attaquants, donc je suis pas très content du ballon, mais écoutez, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, donc il faut le faire avec. Donc voilà, on a eu une semaine pour se préparer avec ce ballon, et ce ballon-là, ben, on va le jouer nous, mais la Gantoise va jouer avec le même ballon, donc ça sera un élément commun, donc je ne pense pas que ça peut être une excuse. Tu peux expliquer ce qui change pour toi ? Écoutez, si vous jouez toute la saison avec un ballon Adidas ou un ballon Select, ben, et tout d'un coup on vous représente un nouveau ballon, ben, chaque ballon a ses caractéristiques. Et avec le ballon Kipsa, c'est pas différent. C'est un ballon assez particulier, mais voilà, il faut le faire avec. Et